So feel free to choose to ask your question in French or English. Okay. Mr. Moyo, thank you for coming at our press conference. Now you are going to make a introducing words, and after we began the questions with the journalists. Thank you again. Okay. Merci Moyo d'être venu à notre conférence de presse. On va vous laisser la parole. Vous allez commencer par une petite introduction et ensuite ce sera la séance des questions. Thank you very much for having me here. Merci de me recevoir. I am not sure if you introduced me in full. My name is Sifundo Chief Moyo. Je suis pas sûr que vous m'avez introduit et que vous m'avez présenté complètement. Mon nom est Chief Sifundo Moyo. Yes, I am the Secretary General elect for PAPU, the Pan-African Postal Union, and I'm going to commence my duty from the 1st of September 2021. Alors, je suis le secrétaire général élu de l'association panafricaine postale. Je vais de l'Union panafricaine des postes, autant pour moi, et je vais prendre fonction officiellement le 1er septembre 2021. The Pan-African Postal Union is an organ of the African Union that specializes in promoting postal development in Africa. Alors, l'Union panafricaine des postes est une organisation de l'Organisation mondiale de la poste qui fait la promotion. Promote postal development. Qui fait la promotion du développement postal. In Africa. En Afrique. And the organization is an intergovernmental organization. Et c'est une organisation intergouvernementale. At the moment, it has a membership of 45 countries. Et en ce moment, il y a 45 membres. And it is headquartered in Arusha, Tanzania. Et son siège social est situé à Arusha, en Tanzanie. As you are aware that we are having this congress here in Abidjan. Et vous êtes informé que nous avons ce congrès ici à Abidjan. What we have said is that Africa invites the world and Côte d'Ivoire welcomes the world. Et ce que nous disons, c'est que l'Afrique nous invite et la Côte d'Ivoire nous accueille. This is an African congress. C'est un congrès africain. And Côte d'Ivoire is the venue. Et la Côte d'Ivoire est le lieu qui nous accueille. We are happy as Africa to welcome the rest of the world come for this congress. Nous sommes contents en tant qu'Africains de recevoir tout le continent africain à ce congrès. And the congress has a theme on postal digitalization and the promotion of e-commerce. Et le thème de ce congrès, c'est la digitalisation de la poste et la promotion du e-commerce. And it is from this theme that the Pan-African Postal Union also derives its agenda for the coming 4 years. Et c'est à la suite de ce thème que l'Union Pan-Africaine Postale va dérouler son agenda pour les 4 années à venir. And the Pan-African Postal Union will be instrumental in driving the digitalization of postal services in Africa. Et l'Union panafricaine de la poste sera un instrument très important quant à la digitalisation de la poste en Afrique. And at this moment in time, I would invite questions on specific areas that you'd want me to address. Et à partir de ce moment maintenant, je vous invite à poser des questions sur des sujets spécifiques que vous voulez que je développe. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Secretary General, for your speech. Nous allons maintenant passer à vos questions. Je le fais en français. Ok. Merci bien, Monsieur le Secrétaire Général. Je suis Emeline Amangwa du quotidien Fraternité Matin. Thank you, Mr. General Secretary. My name is Emeline Amangwa from the quotidien Fraternité Matin. Justement, j'ai
une préoccupation qui appelle deux autres préoccupations. C'est déjà pour savoir le bilan de l'économie numérique dans la transformation digitale de la poste des pays africains. Et quel a été... Pardon, reprenez s'il vous plaît la question. S'il peut nous faire le bilan de l'impact de l'économie numérique dans la transformation digitale de la poste des pays africains. Alors, my first question is, can we have a short summary of the impact of the digitalization of the post in the economy of all the countries? Et pour aborder dans ce sens-là, quel a été l'impact de la COVID sur le secteur dans nos pays africains? And my second question is, what was the impact of COVID-19 for on the African countries? Okay. Okay, thank you very much for that, for those two questions. Merci beaucoup pour ces deux questions. Postal services. Les services postaux. Or should I say post offices? Ou que dis-je encore, les bureaux de poste? Are developmental agents for government. Sont des agents de développement pour les gouvernements. They are responsible and are used by governments for rolling out government programs and projects. Alors, ils sont utilisés par les gouvernements pour permettre de développer certains programmes de gouvernement. And digitalization enables postal entities to be able to perform their role in the modern era. Et la digitalisation de la poste permet justement à ces entités-là de se développer dans les différents secteurs concernés. It is through digitalization that postal operators are able to offer services like e-commerce. Et c'est grâce à la digitalisation que certains bureaux de poste sont capables d'offrir des services comme le e-commerce. E-government, which is... Comme aussi des services de gouvernement en ligne qui sont... Which is the provision of government services on the electronic platform through post offices. Qui sont la provision des services gouvernementaux dans les services de poste. And it is through digitization that postal entities... Et c'est grâce à la digitalisation que des entités postales... Can assist SMEs in terms of them getting their products to the markets. Peut assister certaines entreprises en les aidant à avoir leurs produits sur le marché. And looking at COVID-19. Et en ce qui concerne la COVID-19. I'm sure we are all aware that it attacked all of us when we least expected it. Et je suis sûr qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a tous été affectés. It was a global pandemic. C'était une pandémie globale. And likewise, governments across the world responded. Et c'est comme ça que pratiquement tous les gouvernements dans le monde entier ont répondu. They responded in ways of curbing the spread of COVID-19. Ils ont répondu dans la mesure où ils voulaient trouver le moyen de stopper la propagation de la COVID-19. We saw some borders being closed. On a vu certaines frontières qui ont été fermées. Airlines being grounded. On a vu certaines compagnies aériennes qui ont arrêté de faire des vols. National lockdown programs and curfews. Il y a eu dans certaines nations, on a vu des couvre-feux. And all this had an impact in the movement of mail within countries and across international destinations. Et aussi, on a bien vu l'impact que cela a eu sur les vols en direction de certaines destinations internationales. But the post office was quick to rise from the dust. Et les bureaux de poste ont été très rapides à se relever des cendres. And as you may be aware, postal organizations across the world and in Africa. Et vous pouvez certainement le savoir, certains bureaux de poste dans le monde et surtout en Afrique. They were able to operate within the WHO provided protocols on COVID-19. Ils ont été capables de continuer à fonctionner via
un protocole de COVID-19 qui a été établi. They were able to deliver. Par l'OMS. They were able to deliver food items bought online. Ils ont été capables de faire de la livraison de nourriture. They were able to deliver medicines. Ils ont été capables de livrer des médicaments. Prescriptions. Des prescriptions. And in some cases, moving samples to laboratories from medical centers. Et dans certains cas, ils ont été capables de déplacer des échantillons d'un hôpital vers certains laboratoires. And postal entities were able to facilitate international remittances. Et les entités postales ont été capables de faciliter la distribution à travers certains à travers les nations. And all this was happening under the so-called new normal. Et tout ceci s'est passé sous le protocole appelé new normal. And postal entities et les entités postales were able to come up with these solutions within a short space of time. Et les entités postales ont été capables de venir à, de sortir cette solution durant une très courte période. And what COVID-19 has done is that it has helped postal entities to quicken the pace of transformation. Et on peut dire que la COVID-19 a aidé les entités postales à se développer rapidement vis-à-vis de la COVID-19. And this digital transformation enables clients or customers to transact virtually. Et cette transformation digitale permet aux clients de pouvoir faire des transactions virtuelles. Without physically coming to the post office. Sans avoir besoin de se déplacer physiquement dans les bureaux de poste. Which is also in line with the COVID-19 protocol on social distance. Ce qui est tout à fait en accord avec le protocole de la COVID-19 qui est de respecter les mesures barrières. I hope I've answered it. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Merci. Je suis Raphaël Okani. My name is Raphaël Okani. Journal Info d'Ivoire.net. My newspaper is Info d'Ivoire.net. Alors, merci au SG de faire face à cette conférence. Alors, je voudrais avoir des précisions. I would like to have some precision. Sur son pays, le Zimbabwe. I would like to have some precision on your country, Zimbabwe. Au-delà de la COVID-19, on sait que la poste fait face quand même à des difficultés depuis l'avènement du digital. Apart from COVID-19, we all know that the postal industry is facing some issues due to the venue of the digitalization. Alors, au Zimbabwe, quel est l'état de la poste? Quelle est la situation de la poste au Zimbabwe actuellement? So, in Zimbabwe, what is the current situation of post there? Alors, ma deuxième question, il vient d'être élu secrétaire général de l'Union des postes africaines. My second question is, you are just elected as the general secretary of the Pan-African Union. Alors, qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Okay, what was the element that voted for you? What was into your favor? Okay, so Mr. Allen says that we should precise that you are the old general director of Zimbabwe Postal Institution. Okay, I didn't get the second question. Okay. Vous pouvez répéter la deuxième question, il n'avait pas bien compris. J'ai dit qu'il venait d'être élu secrétaire général de l'Union pan-africaine de poste. He said you are just elected as a general secretary of the Pan-African Union. Alors, qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Oh, okay. So what was the element that was into your favor that made you elected? Thank you very much for those questions. Yes, I was the Postmaster General at Zimbabwe Post.
Effectivement, j'étais le directeur général de la Poste au Zimbabwe. And as you would appreciate, I'm now looking at the rest of Africa. Et comme vous pouvez le constater, je m'intéresse maintenant au reste de l'Afrique. But my experience from Zimbabwe Post is going to be useful. Et mon expérience de l'expérience que j'ai acquérie en tant que directeur général de la Poste du Zimbabwe sera très utile. Me sera très utile. What I would want to say up front is that COVID-19 affected all postal companies the same way across the world. Ce que je voudrais dire, c'est que la COVID-19 a affecté de la même manière toutes les entités postales dans le monde. And postal organizations responded in different ways to this pandemic. Et les organisations postales ont répondu de différentes manières à cette pandémie. For Zimbabwe, we moved quickly enough to establish what we call the Zimbabwe Mall, which is an online e-shop. Alors, en ce qui concerne le Zimbabwe, nous pouvons dire que nous avons réagi très rapidement en créant ce qu'on a appelé le Mall Zimbabwe, qui est un espace en ligne pour pouvoir permettre à nos clients de faire leurs achats. And on the 7th of December 2020, our Minister of ICT, Postal and Courier Services launched the commencement of the digitalization program for Zimpost. Et le 7 décembre 2020, notre organisation a lancé officiellement le programme de digitalisation de la Poste du Zimbabwe. And in short, our response was to quicken the pace of digitalization within our institution. Et en somme, on peut dire que notre réponse a été de rapidement mettre en place la digitalisation de la Poste. We also had specific responses. On a aussi eu des réponses spécifiques. Like converting our factory shop, which was producing mail bags, to produce face masks. Voilà, et on a aussi réagi de différentes manières, comme il le disait tantôt, tout en transformant, par exemple, notre unité de production qui fabriquait les boîtes dans lesquelles on faisait les envois par la poste. On a converti cela en une entreprise de masques. And these we distributed to our staff and also sold to members of the public. Et on a profité pour distribuer ces masques-là aux membres de nos organisations et aussi vendre cela à certaines personnes qui étaient intéressées. And we also issued a stamp on COVID-19 awareness. On a aussi fait sortir un timbre pour pouvoir parler de la COVID-19. On a fait sortir un timbre à l'effigie de la COVID-19. Which helped to spread the message about how to prevent contacting this COVID-19. Et qui nous a aidé justement à propager le message quant à la prévention de la COVID-19. And also encouraging people to go for vaccination. Et aussi encourager les gens à se faire vacciner. And then coming to your second question on why I was voted. Et en ce qui concerne votre deuxième question, qui était de savoir pourquoi j'ai été voté. What I must say up front is that leadership renewal is a very important element of PAPU. Alors, donc, ce que je peux dire déjà d'emblée, c'est que le renouvellement du leadership est un atout indéniable pour mon organisation. And over the years, we normally look at what candidates have to offer. Et au fil des années, nous avons commencé à regarder ce que les candidats pouvaient offrir. What I can assure you is that I've been in the sector for the past 26 years. Et ce que je peux vous assurer, c'est que j'ai été dans le secteur depuis 26 ans maintenant. I have worked in different departments, different arms. I've worked for operations and I've also worked as a regulator. Donc, j'ai travaillé pour différentes organisations dans différents secteurs. J'ai travaillé en tant qu'opérateur. J'ai aussi travaillé pour l'organe de régulation de ce secteur. I am a trained and certified consultant of the Universal Postal Union. Alors, je suis formé et certifié en tant qu'agent de l'Union de la Poste universelle. I have been assigned to do postal reform
projects in Malawi and Ethiopia. Alors, by the Universal Postal Union. J'ai travaillé sur les réformes de la poste au Malawi et puis aussi au sein de l'Union postale universelle. J'ai travaillé à écrire ces réformes-là et aussi en Éthiopie. And this is over and above sound academic credentials that I have. Et ça, c'est entre autres les avantages ou la crédibilité académique que j'ai. But I think what was again important was my vision for the union. Et je pense que par-dessus tout, ce qui était important, c'était ma vision pour l'union. Which was anchored on driving postal digital transformation in Africa. Qui était entre autres conduire la digitalisation de la poste en Afrique. Thank you. Merci. Alors, Monsieur le Secrétaire Général, vous parliez à l'instant de votre organisation. Dear General Secretary, you were talking about your organization. Vous parliez de 45 pays membres. You were talking about 45 country members. Le continent africain, c'est autour de 54 pays. Est-ce que vous avez une démarche prévue ou particulière en direction des pays qui ne sont pas encore membres de votre organisation, dont les postes ne sont pas encore membres de votre organisation? The African continent is about 54 countries. Have you any strategy to bring those countries who are not yet member of your organization? Thank you very much for that question. Merci beaucoup pour cette question. Again, during my quest to get into this office, encore toujours dans ma quête de pouvoir intégrer ce bureau, I made it clear that it is one of my first priorities. J'ai clairement expliqué que cela était l'une de mes priorités. To ensure that all the African states become members of PAPO. De m'assurer que tous les pays de l'Afrique deviennent membres de mon organisation, de l'organisation. And I believe that we should be able to get everyone on board. Et je suis sûr que nous allons arriver à avoir tous les pays à être membres de cette organisation. Like I said, PAPO is a specialized agency of the African Union. Et comme je disais, PAPO est une organisation spécialisée de l'Union africaine postale. And we believe that it should follow that if you are a member of AU, you should be a member of PAPO. Et nous croyons que c'est normal que si vous êtes membre de l'Union postale africaine, vous devez être de l'Union postale universelle, vous devez être membre de l'Union panafricaine de la poste. Because PAPU takes care of postal interests for all African countries. Parce que l'organisation se préoccupe des intérêts de toutes les organisations postales en Afrique. And all countries do have postal services. Et tous les pays ont des services postaux. Thank you. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis Paul Kwaku du quotidien Le Mandat. Good morning, sir. My name is Paul Kwaku from the newspaper Le Mandat. Ce congrès tourne autour de la digitalisation des services postaux et du e-commerce. Vous avez indiqué que c'est le congrès de l'Afrique. Ma question est celle-ci. Comment envisagez-vous réduire la fracture numérique qui existe entre les pays occidentaux et notre continent, étant donné que... Okay, you have been saying that this Congress is about digitalization of the postal service and e-commerce. So my question is, how do you plan to reduce the gap that we have between the postal services in Europe and the postal services in Africa? Étant donné que l'objectif est de permettre à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, de pouvoir bénéficier des services postaux. Bearing in mind that the main objective is for all the citizens to benefit of the postal services. That's all. Okay. Thank you very much for that question. Merci pour cette question. E-commerce is a growth window for postal companies. Le e-commerce est une niche pour les compagnies postales. And because of globalization, et à cause de la modernisation,
our citizens are able to buy items from any part of the world. Et à cause de la modernisation, nos citoyens sont à même de pouvoir faire des achats un peu partout dans le monde. It is therefore necessary for postal entities to be able to provide services for e-commerce business to thrive. Donc, c'est définitivement important pour les services postaux de pouvoir mettre en place un service de e-commerce qui pourra satisfaire tout le monde. And this involves linking customers with suppliers. Et cela implique le fait que nous devons pouvoir mettre en relation les fournisseurs et les clients. As well as linking suppliers with their customers. Tout comme aussi nous devons mettre en relation les fournisseurs avec leurs clients. You know that when we are talking of e-commerce, we are talking about online shopping. Vous savez que quand nous parlons du e-commerce, il s'agit de faire des nous parlons de boutiques en ligne, de faire des achats en ligne. Customers can view items from the internet. Les clients peuvent voir des objets qui les intéressent sur internet. They can choose the items and put on their cart. Ils peuvent choisir l'objet qui les intéresse et le mettre au niveau de leur compte. And they can confirm the order and make the payment. Et ils peuvent confirmer leur commande et faire le paiement. All this is done electronically. Et tout cela est fait électroniquement. But the items cannot be sent online. Mais l'objet acheté ne peut pas être envoyé en ligne. They have to be physically delivered. L'objet doit être physiquement livré. And this is where the postal entities come into play. Et c'est à ce moment-là que les services postaux interviennent. Currently, there is a project. En ce moment, il y a un projet initiated by UPU qui a été initié par l'Union Postale Universelle and is being coordinated by PAPU on the African soil qui est coordiné par l'Union panafricaine postale sur le sol africain, which is called Ecom at Africa, qui est appelé Ecomed Africa. And this is designed to ensure that et ceci a été créé pour s'assurer que African postal organizations are assisted to be operationally ready. Et ceci a été créé pour assister les organisations postales pour s'assurer qu'elles sont opérationnellement prêtes. Technically ready. Techniquement prêtes. And also assisted in terms of marketing activities. Et être aussi assisté en termes d'activités marketing. This project speaks to specific requirements of individual postal entities in different countries. Et ce projet répond aux besoins spécifiques des différents services postaux qu'il y a dans chaque pays. So PAPU is already playing a role. Et donc déjà l'Union panafricaine est déjà en train de jouer un rôle in ensuring that member states are ready for e-commerce. En s'assurant que les États membres sont prêts pour le e-commerce. Our belief is that in the global setup, nous croyons que dans la mise en place générale, our citizens should not be disadvantaged or left behind. Nous nous assurerons que nos citoyens ne seront pas mis en marge. They should be able to buy whatever they want to buy from wherever it is. Nous allons nous assurer qu'ils pourront acheter ce qu'ils veulent. Peu importe où ils le veulent, peu importe l'endroit où ils sont. And our SMEs should be able to sell their items. Et nos entreprises devaient pouvoir être capables de vendre leurs produits. To anyone in any part of the world. Ils devaient être capables de vendre leurs produits à n'importe qui, n'importe où dans le monde. With the post office facilitating. Avec le soutien des bureaux de poste. Because through the UPU framework. Parce que dans le cadre de l'Union postale universelle, 192 countries of the world, 192 pays du monde are linked, sont reliés. So there's no way you can fail to get a market from the 192 countries. Donc il n'y a pas de raison que nous échouions quant à avoir une part de marché de 192 pays. Thank you. Merci.
Bonjour, Monsieur Moyo Sifondo. Bonjour. Félicitations encore pour votre désignation en qualité de secrétaire général de l'Union panafricaine des postes. Good morning, Mr. Moyo. Congratulations again for your election. Alors, je suis Wilfried Dambélé, journaliste pour La Voix de la Diaspora. My name is Wilfried Dambélé. My newspaper is Voice of the Diaspora. Aujourd'hui, on nous parle de la stratégie d'Abidjan. Today, we are talking about Abidjan's strategy. Qui va être adoptée certainement à la fin de ce congrès. Which will be adopted certainly at the end of this congress. Alors moi, j'aimerais savoir comment est-ce que l'organisation dont vous êtes le secrétaire général. So I would like to know how the organization which you are the general secretary. Entend-elle décliner les recommandations qui découlent de cette stratégie d'Abidjan? The organization that you run, how is it going to apply all the decisions that will be adopted here? Dans ces mécanismes d'intervention. Into your mechanism of working. Merci. Thank you. Thank you very much for that important question. Merci pour cette question importante. Yes, we are crafting the Abidjan strategy. Oui, effectivement, nous sommes en train de réfléchir sur la stratégie d'Abidjan. And the most important thing to note is that members of PAPU. Et la chose la plus importante à noter, c'est que les membres de mon organisation are in these meetings and they are part of the team that is crafting this strategy. Font partie de l'équipe qui est en train de dessiner cette stratégie. And the process of crafting this strategy didn't start here in Abidjan. Et le processus d'écriture de cette stratégie n'a pas commencé ici à Abidjan. It started some years back. Ça a commencé des années en arrière. In the year 2019, in the month of June. Et dans le mois d'août 2019, PAPU organized an Abidjan strategy round table. PAPU a organisé une table ronde pour réfléchir à la stratégie d'Abidjan. With the guidance of UPU. Ah, bien évidemment, avec la direction de l'Union postale universelle. And this was done in Ouagadougou, in Burkina Faso. Et cela a été fait à Ouagadougou, au Burkina Faso. And it is during this round table. Et c'est au cours de cette table ronde that PAPU members put their inputs on what they want to see in the Abidjan strategy. Et que les membres de PAPU ont mis sur la table ce qu'ils souhaiteraient voir dans la stratégie d'Abidjan. And this was based in the it was based on the experiences they have and the resources that they have and the expectations that they would want to see from the strategy. Et cela a été fait sur la base des expériences et des attentes qu'ils avaient. And what the strategy does is. Et ce que la stratégie dit, c'est que. It outlines the roles that are played by governments. Il met en évidence le rôle joué par les gouvernements. The role that is played by regulatory authorities. Le rôle joué par les organes de régulation. The role that is played by designated postal operators. Les rôles joués par les opérateurs postaux désignés. And the role that restricted unions like Pan-African Postal Union play. Et le rôle qui restreint l'organisation panafricaine. So what Pan-African Postal Union will do is to ensure that there is coordination. Et alors ce que l'Union panafricaine postale fera, ce sera de s'assurer de la coordination. In the implementation of projects that are agreed to in the Abidjan strategy. Dans la mise en place dans la mise en œuvre de la stratégie qui a été validée pour Abidjan. As you are aware, Africa is our backyard, as PAPU. Et comme vous pouvez le savoir, l'Afrique, si vous voulez, fait partie de PAPU. And we know it very well. Et nous le connaissons vraiment. Nous connaissons vraiment le terrain africain. So what we will do is to come up with a program. Donc, ce que nous ferons, c'est de mettre en place un programme. That will be tracking the projects as they are being rolled out in respective countries. Qui s'assurera de faire un suivi en ce qui concerne la mise en œuvre dans tous les pays. And PAPU will be playing a role
of being an advisor. Et Papou sera aussi en même temps consultant. And also a consultant. Consultant et conseiller. On project management as well as risk management. Sur la gestion du projet aussi bien que sur la gestion du risque. But all this will be done in the context of digital transformation. Mais tout cela sera fait dans le contexte de la transformation digitale. That we will be driving as PAPO. Que nous allons suivre en tant que PAPO. Thank you. Merci. Good morning. I'm Cécile Etony, Live TV journaliste. Bonjour, je suis Cécile Etony, journaliste de Live TV. Alors, vous avez été nommée secrétaire générale de l'Union panafricaine des postes. Des postes, et vous allez prendre fonction le 1er septembre prochain. You have been elected as a general secretary of PAPU and your duty will start officially 1st of September. Alors, quels seront vos axes d'action et dans l'urgence, quels sont les chantiers sur lesquels vous allez vous appesantir? So, what will be your main action? And in the emergency, what will be the first action that you will take? Et aussi dans les différents forats organisés par la Poste africaine ou universelle, on parle beaucoup d'inclusion. And in the different forum of the UPU, we are talking about inclusion. Comment est-ce que la Poste panafricaine va jouer son rôle dans l'inclusion sociale, économique et africaine? So, how the Postal Union will play a role in the social and economic inclusion? Merci. Thank you very much. Yes, it is correct that I'll be starting officially on the 1st of September. C'est vrai, c'est correct que je commencerai le 1er septembre. But unofficially, I've already started doing some responsibilities. Mais officieusement, j'ai déjà commencé avec certaines responsabilités. And my responsibilities during this Congress is to coordinate Africa, to coordinate and harmonize Africa position on agenda issues. Alors, mon rôle durant ce congrès est de suivre la position de l'Afrique à la suite de ce congrès. And I've also been giving my technical advice to those that are needing it. J'ai déjà commencé à donner des conseils techniques à ceux qui en ont besoin. And coming to what I will do when I get into the office. Et en ce qui concerne ce que je ferai une fois que j'aurai pris fonction. Even though I have got my own plan on what I want to do. Même si j'ai déjà mon plan sur ce que je veux faire. The important thing is to understand how the current system is working. La chose la plus importante, c'est de comprendre comment le système actuel fonctionne. And then develop that system to fit into the plan or to alter the plan to take care of the current system. Et une fois le système compris, ce sera de faire en sorte que le plan que j'ai puisse être en accord avec celui-là, ou si ce n'est pas le cas, faire en sorte que ce soit le cas. But what then is key? Et en ce moment, ce qui est la clé, is that we already have our own strategy as PAPU. C'est que en tant que PAPU, nous avons déjà notre propre stratégie. So what would need to be done is to make sure that it is refreshed and it takes into account the Abidjan postal strategy provisions. Donc, ce qui doit être fait, c'est de s'assurer ou de rafraîchir la stratégie et s'assurer qu'elle prend en compte la stratégie d'Abidjan. And the priorities that will then be drawn out. Et en ce moment-là, la priorité pourra être mise en évidence. Will depend on what the team comes up with in terms of the risk assessment. C'est qui, ça dépendra de ce que l'équipe aura décidé en matière de risque. And this will also be guided with what members would give as what they want to see coming from PAPU. Because this is a member-driven organization. Et aussi, ça va dépendre de ce que les États membres diront qu'ils souhaiteront voir au niveau de l'exécution de PAPU, parce que je rappelle que PAPU est une organisation de différents gouvernements. But there are some principles that are not negotiable. Mais il y a des principes qui ne seront pas négociés. Like good corporate governance.
comme la bonne gouvernance au niveau de l'entreprise. Like ensuring that postal operators operate viably. Comme s'assurer que les opérateurs postaux agissent en fonction de la loi en vigueur. Like ensuring that customer care or customer service is high on the agenda. Et s'assurer que le service après-vente est vraiment une priorité dans leur agenda. Like ensuring that the team that I work with is motivated, is professional. S'assurer que l'équipe avec laquelle je travaillerai sera une équipe motivée et professionnelle. And is contributing positively to the mandate of the union. Et contribue positivement au mandat de l'union. I would need to also work on the issues to do with financing. J'aurais aussi à travailler sur les questions qui concernent la finance. Come up with creative ways of financing union activities without relying on subscriptions. Nous devons aussi réfléchir à une manière créative de pouvoir financer les activités sans toutefois s'appuyer uniquement sur les cotisations des États membres. And I'll also ensure that I strengthen the issue on partnerships. Je vais m'assurer aussi de renforcer la question du partenariat. Because we have partners like UPU, like African Telecommunications Union. Parce que nous avons des partenaires comme l'UPU, comme l'Association panafricaine des télécommunications. That we have to work with closely. Et on devra travailler avec eux de façon très proche. PAPU is a specialized organ of the African Union. PAPU est un organe spécialisé de l'Afrique, de l'Union africaine. Our activities and programs would need to speak to the expectations of the African Union. Nos attentes et nos actions devront répondre aux besoins des pays membres. And here we are talking of Agenda 2063. We are talking of Agenda 2063 of the African Union. Okay, et ici nous parlons de l'agenda 2063 de l'association africaine. The Digital Transformation Strategy 2030 of the African Union. De la transformation digitale 2030 de l'Union africaine. And the African Continental Free Trade Area. Et de la zone franche africaine that we need to embrace in our programs. Et cela doit faire partie de notre programme. As you can see, I have got a full bag. Comme vous pouvez le comprendre, j'ai un sac bien rempli. But I'm up to the tasks. Mais je suis capable de réussir à la tâche. Thank you. Merci. Thank you very much. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. C'est le journaliste d'applaudir. Merci beaucoup. Ah. I promise you, in a year's time, I'll be coming here to speak in French. Et wow. Je vous promets que dans un an, je viendrai ici parler en français. Wonderful. Merci. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Thank you very much, General Secretary. Pour ce brillant exposé. For this brilliant exposure. Pour toutes ces informations que vous nous avez délivrées ce matin. For all these information that you give to us this morning. Pour la pertinence de vos propos, pour la profondeur de ce que vous avez dit. For the deepness of what you said. Et nous voulons remercier les journalistes de l'attention qu'ils ont portée. We would like to thank all the journalists for the attention that you pay. Et surtout remercier notre interprète. And also thank our translator. Je voulais confier que c'est vraiment au volet qu'on a dû la solliciter parce que celle qui devait interpréter était en route. I would like to emphasize that she was not aware, so the one that was supposed to translate, it was still on the way. So. Et c'est l'une des meilleures ressources également de Vodou Group qui coordonne un peu This part I want to translate. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Secrétaire Général, on ne va pas vous laisser comme ça. Juste un dernier mot pour dire au revoir à notre auditoire. So we would like you to say a last word for you to say bye-bye to our Côte d'Ivoire. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. I appreciate being invited to this meeting. J'ai beaucoup apprécié d'avoir été invité à cette rencontre. And I want to acknowledge all the journalists that are here.
Je veux remercier tous les journalistes qui sont là. And emphasize that they have an important role to play. Et insister sur le fait que vous avez un rôle important à jouer. In increasing the awareness of the role that the post office plays. Quant à mettre en évidence et faire la promotion du rôle que la poste aura à jouer. And also publicizing our congress. Et aussi faire la publicité de notre congrès. Because this is the first UPU Congress on the African continent after all African countries became independent. Et aussi parce que c'est le premier congrès de l'Union postale en Afrique ici depuis que les nations africaines ont été indépendantes. The first one was done in Egypt in 1924. Le premier congrès a été fait en Égypte en 1924. And the first African country to be independent was Ghana in 1957. Et de fait, le premier pays africain à être indépendant, c'était le Ghana en 1957. So it then shows the excitement that we are having as Africa to have this congress here. Ceci montre déjà toute la joie que nous avons en étant ici en Côte d'Ivoire en tant que congressiste. And may I take this opportunity to congratulate? Et je veux profiter de l'occasion pour féliciter the government and the people of Côte d'Ivoire. Le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire for this wonderful congress that they have offered us. Pour ce congrès merveilleux qu'ils nous ont offert. Under very extreme circumstances and conditions. Dans des circonstances très particulières. But they've opened their arms and embraced all of us. Mais la Côte d'Ivoire a ouvert ses bras et nous a embrassés tous. And I am one of the, well, probably I'm the luckiest person. Je suis certainement la personne la plus chanceuse. Because as Secretary General of PAPU. Parce que le secrétaire général de PAPU. I can operate from anywhere in Africa. Je peux travailler un peu partout depuis l'Afrique. I'm looking forward to establishing my second home here. Et je suis en train de voir dans quelle mesure avoir ma deuxième maison ici en Côte d'Ivoire. And once more, thank you and congratulations. Une fois de plus, merci encore et félicitations pour ce congrès. And thank you very much to all of you. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Bonne journée. Thank you very much. Merci. Thank you. Merci les amis. Alors venez pour plus ça. Pick me for the organization. Alors, cette fois-ci, on va convier les journalistes qu'ils souhaitent à venir poser avec le secrétaire général. On va faire peur. Alors, d'abord, l'équipe et ensuite.